Bonjour et bienvenue dans l'oracle de Nadia. Cette semaine, nous allons parler de la carte numéro 56, catégorie des cœurs. Le tour est rose, son nom, passion. Ici, on voit un cœur qui se consume, qui brûle. Son mot-clé, ardeur. Dans l'interprétation générale, c'est une chose, une action, un sentiment que l'on vit intensément, avec ivresse, une ferveur qui nous consume. Pas de contrôle sur les émotions qui sont vécues de façon instinctive. C'est souvent une carte qui est un peu éphémère, sauf si on arrive à retrouver un équilibre. Au négatif de cette carte, c'est l'impulsivité, la jalousie, la possession. Mais la vie ne vaut-elle pas d'être vécue avec passion. Au niveau des sentiments, ça veut dire qu'on ne peut pas passer à côté. Ça va être comme un raz-de-marée qui va vous submerger. C'est un coup de cœur, un coup de foudre, un coup de chaud, ainsi qu'un désir physique. Attention de ne pas cesser consumer de cette force qu'on ne contrôle plus, qui fait un bien fou, mais en même temps qui nous laisse un peu pantois. L'autre va nous manquer. On va perdre ses points de repère. Quand l'autre s'en va, on n'aura plus d'oxygène. Attention aux coups de tête et aux décisions impulsives. C'est très rare qu'au bout du compte, elles ne vont pas nous desservir. Si cela arrive, ce coup de chaud, ce coup de cœur, respirez un bon coup. Souvent, on oublie le mental. Au niveau professionnel, ici, on va vous parler d'un nouveau projet qui est déjà d'actualité ou que l'on met en route. Un travail qui va être vécu. Partager, enseigner avec cœur, avec fougue, comme moi avec mon oracle. J'y crois tellement que j'ai envie de partager cette passion avec vous. J'ai mis mes tripes et qu'importe les heures supplémentaires. Ici, vous allez y perdre la notion du temps. Quoi qu'il en soit, c'est fort et profond et ça va vous demander de tout donner. Rien ne vous sera épargné, pas de demi-mesure. C'est bon pour les professions artistiques, les recherches et les découvertes. Au niveau de la santé, ici, on va mettre de la couleur, de la folie, de la fougue. Chanter, danser, crier, qu'importe. Il peut y avoir aussi de l'hyperactivité. Alors, allez vous défouler, marcher, courir, faire du sport. Il faut absolument évacuer ce trop-plein d'énergie. Je vous remercie et vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.